Énorme, énorme. Un énorme merci à toi en tout cas et un énorme bonsoir accessoirement. Un énorme merci, un énorme bonsoir voilà. Merci, merci énormément à toi en tout cas Miyoko. Merci à tous, à tous les abonnés, tous les donateurs, poum poum pile up. Ça fait plaisir. C'est le scaling qui est pas encore fait, non? C'est pas un truc comme ça. Tu veux pas tout poule là? Ah voilà. Ah voilà. Ça c'est des poules comme on les aime, putain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Tu vas faire quoi? On n'a pas de masse grippe, putain. On n'a pas de masse grippe, les gars. On va mourir. Ah. On est en train de décéder. C'est pas grave, on s'en bat les steaks. Ça c'est trop cool. Objectivement, vous voyez là ce qu'on vient de faire? Bah ça c'est trop cool. Donc là on change de talent. On est en train de faire n'importe quoi. Par contre, oh, y a pas de PL, putain. Oh, je vais la rater. Je vais la rater. Je vais la rater. Je vais la rater. Non! Oh, je l'ai perfect! Oh, non! Je vais die. Oh, j'ai trop chaud! Je suis beaucoup trop chaud, putain! Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique! Les amis, this is it. Jolie cette musique, dis-moi donc. On fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Alors vous voyez, ça c'est rigolo quand même. C'est rigolo de se dire qu'il y a, il y a deux, il y a une semaine, au début de la semaine, on faisait, on se faisait dans le froc au niveau des instances et tout. Et là, on fait n'importe quoi, et ça se passe bien. Donc c'est assez, ça c'est rigolo quand même. Énorme. Énorme, énorme. Énorme.
Quel talent 90 pour un, C... pour un SP pour jouer PvE Talent 90, je sais même plus lequel ça. Je crois que c'est c'est pas le truc Bah oui. On fait tellement n'importe quoi, putain. C'est la catastrophe. Oh putain. On fait tellement n'importe quoi, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Coucou la pile les copains, petite session pêche avec ton stream en fond pour préparer les départs en mythique. Dis-moi, comment ça se passait les distributions des loots pendant le ProS? C'est une bonne question ça. Je prenais tout de toute façon. Ok, donc la distribution des loots, c'est à celui à qui ça fait le plus gros up. Donc tout simplement, sans question de bis ou quoi, c'est à celui que ça fait le plus gros up. C'est-à-dire que si quelqu'un ça up de 10% et l'autre de 50, bah on lui donne 50 tout simplement. Ce donjon méga chiant, ouais il était chiant hein, le donjon d'avant. Donc c'est assez rigolo parce que du coup on se retrouve avec un on se retrouve à faire n'importe quoi. Enfin vous vous rendez compte quand même qu'on vient de pull la salle entière. Genre ça ne dérange personne. Vous savez qu'on aurait pu passer en fufu là. Par contre, ça m'énerve un peu parce que je trouve les météores qui durent, elles durent vraiment pas assez longtemps pour le coup que ça coûte. Elles font zéro dégâts, du coup les dots font trop d'hommes. Ça m'énerve un peu. Sen il me fait genre j'ai une aggro à haut de merde et tout, fais gaffe et tout. Je dis ouais ouais promis, promis j'y pense, demain. Oh CS déjà. Putain la piste top pool quoi, c'est relou. Ah du coup là on va lui rouler dessus au mob, on a décidé. Ils sont trop cons, ils aggro la map. Non non, ah non, ah non. What?
Ah, ça par contre, c'est vraiment des. Voilà, hein. Je pense que vous savez totalement de quoi je veux parler, messieurs, dames, l'agent. Ah, c'est des. Franchement, vous êtes des bâtards par contre, hein. Oh, je l'aurais pas, je suis trompé. Allez, allez, moi je l'ai. Oh, oh non, j'ai perdu. Ah, c'est relou, sans déconner, il est trop long ce spell à cast. Et voilà, je me fais interrupt en plus. Putain. Vous voyez, c'est relou parce qu'on veut jouer avec le feu. En plus, le truc c'est que sans add-on, sans Wicora et tout, c'est compliqué. C'est compliqué de tenir un burst, etc. Mais là, ce qui est particulièrement frustrant, objectivement. What? Il sort d'où lui? What the fuck? Donc, ce qui est particulièrement frustrant, c'est que t'as envie de le gratter, tu vois. Parce que, en fait, donc, encore une fois, je répète, c'est un souffle de Syndragoza. Donc, l'idée, c'est de ne jamais arriver à zéro de puissance astrale. Si vous arrivez à zéro, vous perdez votre sort. Et du coup, vous perdez énormément de DPS. Et le truc, en fait, qui est frustrant, c'est que si vous générez trop, d'accord, parce que j'ai des sorts qui me donnent 100, etc., de puissance astrale, si vous générez trop, d'accord, donc vous utilisez votre sort qui vous fait passer à 100, par exemple, avant de vraiment passer à 100, enfin, avant d'être à 0 ou quoi, ou d'être à 10. Donc, si vous l'utilisez trop tôt, vous allez vraiment perdre plusieurs secondes de DPS avec un sort qui est trop puissant. Et je sais pas, ouais, je trouve ça tellement frustrant. Donc vous avez envie de gratter, vous avez envie de l'utiliser au dernier moment ce sort. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'après il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, je rate quelque chose de facile en somme. Et c'est un peu frustrant. Hein. Mais parce que là, regardez, hop, là je vais essayer de gratter. Oh! Là aussi, je vais essayer de gratter. Hop, normalement c'est good là. Voilà. Je sais pas si je peux refresh mes dots. Ouais, c'est une grosse perte de refresh quand même. Voilà. Et c'est assez frustrant, enfin. Ouais. C'est très frustrant même. C'est assez frustrant, mais bon. Donc Zap me dit item par personne ou personne pouvait loot autant qu'il veut. Alors on pouvait loot autant qu'on voulait tant que évidemment entre guillemets tant que ça faisait un... Encore une fois, c'est-à-dire que si tout ce qui tombait, ça upait qu'une seule personne. Enfin, la personne qui se faisait le plus up, c'était toujours la même personne. Bah, tant pis, c'était la même personne qui avait les loot. Tanana, tanana, tanana. C'est chiant les donjons à vagues. Ouais, c'est trop relou. Je me suis renseigné, je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'ai entendu que. Oh. J'ai entendu que les mythiques n'avaient plus les trappes. Ah, les précis n'avaient plus les trappes. Dust, Dracos, Blizzard a osé. Les Hunt Précision non plus. Non plus tout ça. J'adore la life bar mana sous le perso, c'est bien. Ouais, c'est très très bien. Ouais. Donc il parle du HUD qui est juste là. C'est très très bien, effectivement. Le seul problème, c'est que c'est pas assez pratique, mais. Tellement se faire déchirer la Sian, il fait trop mal ce pack.
Tu fais trop mal ce pack. C'est vraiment ridicule, Druida. Ah bah oui. Ah bah oui, on pull tout. J'ai pas les bons talents et on pull la planète. Tananana, tananana, tananana. Ça, il a bien tenu, hein. C'est ridicule, hein. C'est... Et ça, ça c'est rigolo parce que, ah, comme je vous disais, il y a une semaine, on y allait en poussie, genre on poulait un pack par un pack et tout. Là on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. C'est ridicule. Here's my key, philosophy. A freak like me. Je sais pas si c'était la meilleure idée ça, mais bon, pourquoi pas. Je pense que le mieux c'est de focus la meuf qui fait le... Nanana. Bon, le prochain boss, je le brûle. En fait, la seule truc qui est frustrant, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire plus. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui... aujourd'hui, en fait, si je veux burn un boss, j'ai pas l'impression que j'ai plus d'outils à mes à ma disposition, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir des outils à ma disposition pour tuer, pour tenir longtemps ma puissance solaire, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire plus de 30 secondes, quoi. J'ai fait 40 avec un peu de chance, bon, super. J'ai fait 40 avec de la chance, mais... enfin, je sais pas... drôle, c'est trop drôle, mais j'ai pas de luck par contre, c'est relou. Ouais, je sais pas, je l'ai brûlé là le boss, hein, mais bon, pas assez à mon goût. Pas assez. Genre j'aimerais pouvoir tenir le truc 20 ans si on était bon, et le problème c'est que y a pas, tu peux pas être bon en fait, ça n'existe pas. Tu peux pas être bon en fait, c'est ça qui est relou. Ça dit n'importe quoi là dans le canal groupe. Voilà, je suis vraiment on fire en tout cas là. Le boss, je viens de le casser en deux. Je viens de lui mettre 125 000 de, dégâts. Le deuxième c'est un 125 000 DPS. Le deuxième c'est un mage avec 92 000. Autant vous dire, autant vous dire que pour le moment Munchkin c'est bah. Mais encore une fois, il y a une espèce de frustration assez folle. Il y a une frustration assez folle de est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux faire plus?
tu fais le parello à Badia. Allez, je vous précise Kian, c'est pour ça qu'il est au fond. Je déconne. Il va encore me bouder. Putain, je kiffe de ouf. Mais bon. Ne me dis pas qu'ils ont mis une fort pour. Mais si, et si, une instance bien nulle à chier. En tout cas. Ouais. Ben c'est gros, c'est deux retours. Et c'est nul. Et c'est nul. C'est nul, effectivement. Peut-être pas les malins, ils seraient capables de sortir ICC envahi par la Légion. Eh. Est-ce que ce serait pas mieux que le fort pour? La question se pose, je pense. L'API après l'alpha, ils vont passer sur le PTR. Non, Gara Sensei, quand il y a une sortie d'extension, ça s'arrête à l'alpha. Ah, ça s'arrête à la bêta, pardon. En gros, au moment de Wode, par exemple, pour te donner l'exemple le plus récent, au moment de Wode, en gros, ils ont. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils. Donc, t'avais. T'avais l'alpha, bref, t'as pu jouer sur l'alpha. Ensuite, il y a eu la bêta, et l'intégralité des tests se sont faits sur la bêta. Alors, pas d'inquiétude, hein, 90% des joueurs que ça intéressait l'avaient au niveau des tests, d'accord. Mais donc, non, il y aura pas de PTR, a priori. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais vraiment eu de PTR, quoi. Il n'y a jamais vraiment eu de PTR. Gara Sensei. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Gara. J'espère que tu vas bien. C'est quoi le clavier de la pie terme, c'est un clavier qui fait trop de bruit. Alors voilà. Après je sais pas si sur deux cibles c'est rentable de faire ça. Ah, ils ont fixe la ligne. Ils ont fixe, pas mal. Ils ont fixé l'alignement céleste. On est bien là. Hey, wake up. Oh putain. Oh putain. Comment tu vas? Ah ouais. Putain, t'es vraiment le pire. Y'a Odule là sur tête. Ah, c'est parce que je suis un peu trop à la bourre. Tu vois bien que je suis concentré à top le recount sur une alpha. C'est l'alpha? Ouais, c'est Légion. Non, non. Y'a mon pote Odule. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, ça fait plaisir de l'entendre. Odule qui faisait partie des matchs de chez Vrace. De quoi? Yep, y'a tout qui bug et tout. Non. Ouf. Voilà. Je suis en train de parler, du coup je dis je fais n'importe quoi. Ok. Ok, ok, je suis grave chaud là. Je suis grave chaud, je suis grave chaud. Alors le problème c'est que je vais devoir. Oh là là, je vais devoir tout monter, putain. Alors. Donc là, dans 3 spells, j'all-in. Hop, hop. Ok, on refresh les dots. Et là, on all-in. Attention. Bah
Le bleu ou le bleu? Hey, yep. Oh là là. Je sais pas, y a pas de date encore. Ah, Gul'dan qui revient et qui ouvre, qui appelle Illidan. C'est Iris. C'est le gars. Ok, AFK 2 minutes. Putain, j'ai tout claqué, je suis au fond là, what the fuck? Non. Ok, on va juste attendre mes CD là avant de pull. J'ai sous des PS, putain. Donc mon clavier, c'est un couleur Master Storm, plus sérieusement. Hein, couleur Master Storm. Lucius qui est là, c'est le happy. Ils ont sorti le fort pour. Oui, Lucius qui est vraiment chiant. Vraiment, vraiment chiant. Chamelio, faut du stuff ou alors beaucoup de mobs. Faut surtout beaucoup de mobs. Allez, on est parti. Alors, plop lapin de questions, on en sait plus sur le rôle d'Illidan, sur l'alpha, pas du tout. Exocet, on en sait même pas beaucoup plus de manière générale sur le même hors lore, j'ai envie de dire. Hein. Vous conseillerez quoi en DPS à quelqu'un qui vient de reprendre? Je sais pas, chaman, mage, druide d'équilibre, ah, killboy, druide d'équilibre. Donc voilà. Et plus sérieusement, comme l'a dit Bao, joue ce qui te tente, hein. C'est bien plus intéressant. Alors. Donc Odin avec ses 200 millions PV, évidemment on n'a pas le DPS complètement. Ok. Ok. Tenue, ça va être là, ça va être là. Ok, Shatter, non, c'est pas là. Ok, ça va être là. Ok. Belle, putain, belle. Ok, je suis beaucoup trop chaud. J'annonce, le boss va se faire violer. Non. Oh. Oh. Non. Ah, je rage, putain, je rage. Oh, je rage. J'ai encore gratté, quoi. Ah, putain, je rage trop. C'est ouf, hein, comment j'en ai trop raté.